Salut, je suis Franco. Voilà, bon dimanche déjà à tout le monde. Et mes frères Wadjo là, mes frères Nordiste là, prenez un tabouret ou bien prenez les tabourets, vous asseyez. On a beaucoup de choses à se dire ce matin. Voilà, j'ai fait une vidéo hier, une vidéo à titre comique. Et d'autres sont venus dénaturer ou bien changer le sens de ma vidéo. D'autres ont traité ma vidéo de tribaliste, donc de vidéo tribale. D'autres ont traité des vidéos pour insulter. D'autres ont traité des vidéos pour chercher de l'argent. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et ce que vous devez comprendre, cette vidéo-là, c'est une vidéo d'une longue date. Et beaucoup d'artistes ont déjà fait le buzz avec ça. J'ai juste écrit mon scénario à moi-même. Et ce qu'il raconte là n'est même pas d'abord vrai. Un, les Aoussa ne sont pas les Wadjo. Je dis qu'il y a un quartier à Aoussa, à Yaoundé. Il n'y a pas de quartier à Aoussa, à Yaoundé. Peut-être à Bafoussam, oui. Vous comprenez, non? C'est juste un scénario, c'est un truc fictif. Vous venez juste à mettre les oreilles que vous, n'est-ce pas, tu as la voiture. Qui vous dit même d'abord que j'aime encore la voiture? Ce n'est pas la voiture de mon voisin qui passe de chaque temps dedans pour faire mes vidéos. Je m'explique. Déjà, je vous ai dit ici plusieurs fois que je ne suis pas français. Et déjà, je ne sais même pas m'exprimer en français. Voilà quelqu'un qui a fait son cycle de la première année jusqu'à où j'ai arrêté mes études en faisant l'enseignement technique. Chez nous, comme fréquenteur, on disait que l'anglais, le français, c'est Dieu qui donnait. C'est aujourd'hui qu'on comprend que ce n'est pas Dieu qui donne. Beaucoup me critiquent ici, beaucoup critiquent mon français ici, sur ma propre page, ici, chaque jour. Je ne sais même pas m'exprimer. Quelqu'un qui ne sait pas déjà s'exprimer en français va se moquer de l'autre comment? Vous dites que je me moque de mes frères qui ne savent pas s'exprimer en français. Jamais, très loin de là. D'autant plus que moi-même, le français que je parle là, c'est le béaba du français. Ce n'est pas le français soutenu que moi je parle. Vous dites que je fais des vidéos pour chercher de l'argent. Depuis hier, c'est à combien de vues? C'est à 8000 vues. Souvent, ça peut me donner quoi? Enfin, juste pour vous souhaiter bon week-end. Ça devient qu'on fait pour chercher de l'argent. Vous parlez même de quel argent? S'il fallait aller avoir l'argent à tout prix, à tous les prix, j'ai laissé un contrat avec une entreprise de jeux au hasard qui pouvait me rapporter des millions. Je parle bien des millions avec le temps. J'ai laissé ça tomber. Vous savez le risque que je cours par respect pour vous. Vous venez vomir des choses. Moi, je ne sais même pas. Vous dites que ma vidéo est à titre ou c'est tribal ou c'est le tribalisme ou c'est quoi? Vous parlez de quel tribalisme? Vous connaissez ce qu'on appelle tribalisme, la définition du mot tribalisme? Vous avez vu l'influenceuse qui est venue au pays, qui est venue ici à Yaoundé, ces jours-ci, monter sur une chaîne, ou c'était une chaîne, ou c'était une radio, traiter les Bamilékés de tous les noms, de tous les noms d'oiseaux. J'ai parlé, j'ai fait même le buzz dessus. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire le buzz dessus? Parce que je ne fais pas le buzz, parce que je n'ai pas trouvé ça utile. Vous comprenez, non? Donc, les gars, franchement, quand on se bat à faire le vivre ensemble, ne venez pas toujours créer des divisions où il ne faut pas. Je ne vois pas où ma vidéo crée une division. Même les Nordistes, j'ai été même surpris de voir beaucoup de Nordistes commenter. C'est la preuve vraiment que les gars là me suivent. Et je les dis merci. Hein? Vous parlez du tribalisme. Voilà ma nouvelle structure que je viens de développer, de créer. Venez dans mon bureau, je vais vous présenter les dossiers. Je n'ai pas un Bamileke, des gens qui n'ont même pas postulé. Il y a deux anglophones, il y a un Betty, il y a un, la secrétaire, ou la Mdoula, ou c'est de... Il y a un Douala. Hein? Est-ce que vous parlez de quel vivre ensemble? La web série que je vais bientôt lancer, j'ai lancé le casting pour recruter quelques filles qui vont être... J'ai parlé des Bamileke, parmi les filles, j'ai parlé des Camerounaises. La formation que j'ai lancée, j'ai dit 100 Camerounais, je n'ai pas dit 100 Bamileke. Je n'ai pas parlé de... Vous savez combien de Nordistes sont éligibles pour cette formation? Pourquoi vous ne m'avez pas demandé d'aller chez nous les Bamileke faire cette formation? Pourquoi vous ne m'avez pas demandé de former seulement les Bamileke? Pourquoi je suis pas allé seulement dans mon village ou bien dans ma région faire cette formation? Je reste au centre, je fais la formation. Vous parlez de quel tribalisme concrètement? De quel tribalisme vous parlez même là? Jusqu'à venir, sur 200 commentaires, il y a plus de 150 commentaires qui me parlent du tribalisme. Vous connaissez ce qu'on appelle le tribalisme? J'ai apprenu le tribalisme sur ma page. Chaque jour, je parle du vivre ensemble. Je dis toujours, on doit être unis. J'ai déjà insulté, j'aime bien parler quoi ici sur ma page? Vous voulez parler du tribalisme? Vous appelez quoi tribalisme? Qu'est-ce que vous-même, vous voulez même faire croire aux gens? Franchement, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je vois les gens se plaindre. D'autres m'ont dit que j'ai la tête comme l'Arsenal Yaoundé Bafoussam. C'est ma tête et je reconnais. Effectivement, ma tête est comme ça.
Je ne me plains pas. D'autres disent que tous les monts qui sont à l'ouest, ça se retrouve sur ma... Allez lire les commentaires, ça se retrouve sur ma tête. Effectivement, voilà tous les monts qui se retrouvent sur ma tête. Pourquoi je dois me plaindre? D'autres me disent que je suis lait. Mon frère, tu me traites de lait. Est-ce que ça n'a pas enlevé le morceau de viande sur mon plat que je devais manger? La seule personne qui peut me dire que je suis lait, ça m'énerve, c'est mon épouse. En dehors d'elle, même si tu me traites de quoi, je m'en fous, ça n'enlève rien sur moi. Tu te plains que vous plaignez que je vous appelais nordiste. Parce que c'est le mot nordiste là qui vous fait mal. Je dis vraiment, je vous demande les excuses. Et moi, je ne sais même pas pourquoi je dois demander les excuses. Parce que moi, je suis le père-mère Bamileke. Et si vous connaissez, je suis Bamileke, c'est parce que chaque jour je parle ici et je dis, je ne cache pas mes opinions, je ne cache pas d'où je sors, comme beaucoup d'autres font sur les réseaux sociaux. Je m'en fous. Je filme même des choses qui se passent chez nous là pour venir vous montrer comment nos coutumes fonctionnent. Mais tu es anglophone, disons Bamenda. Ton père est Bamenda, ta mère est Bamenda. Quand tu passes, on t'appelle Bamenda. Tu dis qu'on t'a insulté. Qu'est-ce qu'on a même mis dans nos veines là que quand on ne peut pas te dire tu es Betty? Betty, c'est l'insulte. Bamileke, c'est l'insulte. Donc, t'appelles Bamileke, mon père est Bamileke, ma mère est Bamileke. Si je passe, on me dit Bamileke. Si je me plains, c'est-à-dire qu'effectivement, je dois me plaindre. Si je passe, on m'appelle Franco. Parce qu'effectivement, je suis Franco. Si je me plains donc qu'on m'appelle Bamileke, c'est-à-dire que je dois effectivement me plaindre qu'on m'appelle Franco. Je suis Bamileke de sang. Tu es nordiste de sang, de père-mère. Tu es Betty de père-mère. Tu es anglophone de père-mère. Quelle est cette histoire qu'on a mis dans nos têtes que dès qu'on va te dire que oh, nordiste, c'est l'injure. Oh, Bamileke, c'est l'injure. Il n'y a pas d'injure à ce niveau. Sauf si tu veux cacher tes origines. Sauf si tu as honte de tes parents. Sauf si tu as honte de tes origines. Et moi, je pense que chacun devrait être fier de où il sort. Nous sommes tous Camerounais. Et nous devons respecter ce drapeau qui nous unit. La paix, la patrie, le travail. Nous devons respecter ça. Nous devons vivre ensemble. Ne venons plus nous diviser sur les réseaux sociaux. Non, franchement, et il y a une chose qui je ne comprends pas. Depuis ces jours-ci, les gars ont pris ça comme un chantage. Depuis que j'ai fait une vidéo pour dire merci à mes fans, merci parce que vous partagez mes vidéos, vous commentez mes vidéos, c'est vous qui avez fait de moi ce que je suis. C'est devenu le chantage seulement. C'est comme si les gars ont copié les textes, mettre sur le WhatsApp. À chaque fois que je fais un post maintenant, je fais une vidéo, ils copient seulement, ils viennent. De la même manière qu'on t'a mis au ciel, qu'on t'a soulevé, on va te faire descendre, mon frère. Ça ne va pas. On ne s'abonne pas sur la page de quelqu'un parce qu'on l'aime. Comprenez bien. On ne s'abonne pas sur la page de quelqu'un parce qu'on aime la personne. On s'abonne sur la page ou sur la chaîne de quelqu'un parce qu'on aime ce que la personne fait. Beaucoup de personnes me détestent. Moi, personnellement, ma tête, personnellement, beaucoup de personnes ne m'aiment pas. Je sais, sur ma page. Mais ils se restent abonnés parce qu'ils aiment ce que je fais. 80% sont là par rapport à ce que je fais. 20% sont là parce qu'ils m'aiment et ils aiment ce que je fais. Parce que quelqu'un ne peut pas t'aimer sans aimer ce que tu fais. Sauf si c'est un membre de ta famille ou sauf si ce sont tes amis. Mais les membres de ta famille et tes amis, vous êtes au nombre de combien? Vous n'atteignez même pas 100. Vous ne pouvez pas atteindre 100. Ça fait 4 jours que j'ai fait une vidéo pour vous dire merci comme j'ai eu 100 000. À abonner sur Facebook. Nous sommes à 106 000. Donc, en cas que j'ai eu 6 000 d'autres, c'est-à-dire que ce que je fais vous intéresse, ce que je fais plaît aux gens et qu'on partage, les autres découvrent, ils veulent aussi s'abonner parce qu'ils aiment ce que je fais. Et c'est effectivement ça, les gars. Ne venez pas toujours mettre les organes, on fait les tuer un petit truc pour blaguer. Oh, ça devient seulement que vous allez sortir les âmes juste à l'autre et me dire que bavard comme ça, tu viens ou non. Mon frère, nous sommes, c'est la famille. Hein. Il faut arrêter ce genre de mentalité. Il faut arrêter vraiment ça, franchement. Donc, c'était mon petit message pour vous dire justement, je suis là pour la paix, je ne suis pas là pour la division, les gars. Il n'y a pas de problème entre nous. Mes frères nordistes, mes frères du Betty, mes frères anglophones, mes frères Sawa, mes frères Bamileke. Non, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et il faut être fier si on t'appelle anglophone, Betty, machin, tout ça. Ce n'est pas l'injure. Passez une très bonne journée. Bon dimanche à tous les chrétiens et bon jeûne à tous les musulmans. Surtout, j'attends l'invitation pour la fête des Ramadan, les gars. Sinon, ne m'invitez pas. C'est où alors, hein? Je vais n'aimer sur vous, vrai, vrai. On est ensemble. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.